on a été un tout petit peu embêté, il fallait trouver ce qu'on avait sous la main. Tu vois, on a pris. Ah ouais. Là, je comprends votre déception, mais on a pris vraiment ce qu'il y avait là. Des musiciens que j'ai trouvé dans le métro, sympa, mais bon. Jean-Jacques Goldman me dit et si je viens seul avec ma guitare? Il me dit, vous pouvez tourner demain? Faudrait que je me clôture, faudrait que je coupe du bois, que je me mette un costume et que je ne marche plus droit. Faudrait que je devienne plus sage, que je sois plus raisonnable à mon âge. J'ai bien. Et il me dit, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un chercher Carl Fredericks qui atterrit à Charles de Gaulle, qui rentre du Texas? Et là, à part pleurer, je vois pas ce qu'on peut faire. Sur une parole, sur une amitié, sur une promesse. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Même de le raconter là, j'ai du mal encore à y croire. C'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars. Chaque fois, et où tout finira. Il y avait Christophe, c'est Dada aussi qui était le régisseur au début, avec Christophe Duprat. Et croyant bien faire, voulant faire le malin, je dis à Christophe, j'y prépare un violon, parce que Jean-Jacques sait jouer du violon, et il fera la blague de Junot, le violon de Comme Toi. Et il avait préparé le violon, sauf qu'il l'avait accordé comme une guitare et pas comme un violon. Et là, il y a ce moment de solitude. Donne ton micro à Carole. T'as plus besoin de... Ouais, j'ai des rêves simples. C'est d'entendre Jean-Jacques Goldman jouer du violon. C'est pas accordé. Vous vous souvenez pas de ça? Si. Pour moi, ça a duré 2 heures. Ça a duré très longtemps. Il se met à l'accorder en nous expliquant que ça s'accorde pas comme ça. Et il prend tout son temps pour l'accorder. Mais la résol, hein. On te trompe pas parce qu'après on serait hyper embêté après. Le casse pas quand même, hein, parce que. Voilà. Oh. Il va nous le faire pendant 1 heure et demie, tu vas voir. Ouais, ouais. Oh là les brillamment sortis. Ça y est, tu m'en veux? Il y a encore 5 personnes qui regardent l'émission. Super. L'émission se passe, cartonne évidemment, parce que c'est Jean-Jacques Goldman, Carole Fredericks et Michael Jones. C'est un carton plein. Le lendemain, sur tous les albums de Jean-Jacques et du trio, les ventes augmentent. Le mardi, Jean-Jacques m'appelle en me disant « J'ai eu ma maison de disques, les ventes ont augmenté de 25-30% alors qu'il n'y avait plus aucune promotion et même plus de singles en radio. » Je dis « Bah super !» Non, tu comprends pas. J'ai dit, si, t'as vendu plus de disques, c'est super. Ah non, mais tu étais vraiment bête, quoi, tu comprends rien. J'ai dit, explique-moi. Mais ce que je te dis, la maison de disques le sait, maintenant, tu n'appelles pas, tu attends, ils vont t'appeler.
Céline Dion, Véronique Sanson, Pascal, Alain Souchon, MC Solar, Michelin, Mick Soukot.